Jeudi à nos jeudi 22 septembre 2016, amis téléspectateurs Télésignal, chaîne 56, gros bonjour pour nous toutes. N'a pas salué toutes fidèles auditeurs Radio Signal YouTube 90.5, puisque vous êtes toutes branchées dans le moment ça. Pour présentation, rubrique invité à sous antenne Signal, nous retrouvons chaque matin à l'heure ça, pour nous parler politique, parler société, parler éducation, l'espace ça sous antenne Radio Télésignal. Jean ça a déjà annoncé, matin, invité Clarence Renoir, candidat pour poste président, qui répond invitation au matin. Hein. Avec lui, nous allons brasser l'idée sous vision globale les gens pays à marché aujourd'hui. Ça lui-même, les gens qui ont déjà coûté pour le pays d'Haïti. Comment comprendre l'environnement électoral aujourd'hui. Tout ça, matin, avec invité Clarence Renoir sur antenne, chaîne 56 Télésignal. Nous comptons avoir, nous avons une pause tout coûte, nous avons tenu. Merci un peu, les amis téléspectateurs, pour fidélité et attention. J'en ai déjà annoncé l'invité de matin, Clarence Renoir, dans l'espace là. Clarence, bonjour, son plaisir pour avoir le matin sur antenne Signal. Son plaisir, oui. Puis pour moi, c'est un très grand plaisir, France. C'est content sur antenne Signal matin pour me parler et à la fois avec auditeurs et à la fois avec téléspectateurs ou téléspectatrices. Cela dit, hommes et femmes. Moi, candidat, pas fatigué, comment on fait fruit comme ça? Oh, nous faisons fort pour ça, hein. Nous faisons fort, mais c'est pas la vie facile quand même, hein. Être candidat et pour passer de tout côté, pour rencontrer tout le monde, pour dormir tard, pour lever très tôt, et ce n'est pas facile, mais c'est une mission, nous l'a donné, et on a fait effort pour nous rester frais. Ouais. Très bien. Alors, il y a un débat qui fait qui passe sous plusieurs médias dans la capitale, là, c'est JIAP, en pile les candidats à la présidence, c'était invité 6, il y a 5 qui répondent, et il y a un pile réaction sous débat, et il y a un pile monde qui dit qu'il a apprécié l'initiative là, il y a l'autre qui estime que candidat était manqué de temps, il y a l'autre qui estime que nous avons plus candidat, il y a l'autre qui estime que nous avons moins candidat. Tout, ou même comme on ouais, initiative réunie des candidats pour vendre vision yo dans période de campagne électorale ça. Oh, mais c'est une très belle initiative que m'encourager et que d'ailleurs si ça l'a fait là quelque part, même si c'est son antenne Signal noyé, mais moi me pense que c'est bon pour public là, monde qui pas capable ouais tout candidat ou tout côté, il y a occasion de tendre yo et faire connaissance avec eux même si c'est à travers la télévision ou à travers la radio pour yo tendre qui ça a gagné dans l'idée pour Haïti, qui vision yo pour pays. Et en ce sens, on pense que plus candidat, tu as dû être capable de disposer pour participer dans un type de débat public, ça. Notamment lors une organisation comme JIAP, qui vient pour un groupe d'intervention en affaires publiques, on pense que tu dois ouvrir fenêtre, opportunité, ça, beaucoup plus candidat. Mais c'est au monde qui parlait en pile sous question, ça, parti comme là dans l'Union, tu même protesté, dénoncer le fait que c'est seulement 6 pour nous parler. Son principe, on pense que faut que le débat soit plus démocratique, faut que le choix soit transparent, et faut que nous ayons tout le monde chanceux. Parce que nous, dans une situation où nos pays, nous avons 27 candidats. C'est soit pas nous, nous sommes capables de dire. C'est lui-même nous gagnons 27. Et bien, on travaille avec 27 là parce que entre le monde qui est numéro 1 et le monde qui est numéro 27 là, ou par contre qui est-ce qui va le président là. Donc tout le monde a dû avoir une opportunité pour parler, puis on qui est-ce. Quand vous passez, quand vous sortez, qui sont réalisés dans vous déjà et qui sont prêts à le faire, si au président, dans ce sens-là, nous pensons que malheureusement, le débat est trop restrictif. Nous choisissons 6 personnes, nous excluons 26, 21. Et on qui va venir. Et on qui va venir en plus là-dedans. Donc nous pensons que vous avez plus de chance. Et moi-même, je vous ai dit qu'on place pour moi souvler. C'est normal, il faut me parler pour tête d'abord. Parce que je pensais que moi nouveau sur l'échiquier politique là. Moi un message qui est nouveau. M'a parlé de réconciliation, m'a parlé de intégrité, m'a parlé de non-violence. Eh bien, il faut que bon monde ça place tout pour le parler dans un débat. D'autant que dans 5 personnes qui étaient dans le débat, ça, l'ont bien gardé. Tout le monde ça a passé dans le pouvoir déjà. Et tout le monde a questionné qui ça a été réalisé dans le pouvoir. Qui ça a fait qui n'est pas bon dans le pouvoir. Mais il faut avoir l'autre monde qui est nouveau, chance et tout, qui a moins de problèmes que le présenter pour le candidat, qui a moins de casse-wall, ou bien moins de dossiers qu'a fait pour le candidat, mais présenter la République là, tout bah, chance pour le parler, malheureusement, pas de chance ça. Mais moi, c'est Signal, est-ce que France ou bonne chance ça, Signal, bonne chance pour me présenter à auditeurs et à téléspectateurs qui a fait connaissance avec moi aujourd'hui. Et il y a un candidat qui te livre à le député, sénateur, dans le capot là, c'est président, qui exerce l'obligé faire ou fait à chaque fois et qui est lié ont idée de parcours. Les Clarence Renoir a trouvé dans plusieurs situations pour le faire exercice ça et matin à la fait et rapidement Clarence Renoir qui est lié. Ça va déranger pour me faire. Clarence Renoir, c'est m'a commencé par dernier côté avant c'est journaliste. Je fais 30 ans de métier journalistique dans le pays. C'est-à-dire me fait période démocratie à couvrir événements, parler avec tout le monde dans tout le pays, sur toute radio, sur toute télévision, pratiquement. Mais
Mais avant ça, ça me dit, je suis professeur d'école, je fais cours dans l'école. Et pendant que je fais journaliste, je fais cours dans l'école. Et moi, je suis formateur. Moi, je suis dans une ville pour inscrire les dames marines dans le département Gandersla, une belle ville qui est en mai. C'est là que je grandis. Moi, je fais l'école primaire là. Ensuite, moi, je viens pour Port-au-Prince. Et dans les moyens très difficiles, je viens à l'école parce que tout le monde connaît que c'est là. Tout le monde sorti dans la province, tout converger vers la capitale, oui, la ville, oui, l'école. Mais pas facile pour moi, hein, pour habiter dans Port-au-Prince, faire l'école dans Port-au-Prince, loin de parents, dans toutes difficultés économiques qui gagnent, même passé, et moi sorti, venir entrer dans le journalisme, justement. Et je dis, c'est un père de famille, nous sommes qui marié, nous avons trois petites, nous sommes chrétiens, nous sommes tous qui honnête et intègre. Ça, faut que téléspectateurs et auditeurs comme ça. Un monde qui est honnête et intègre, c'est le type de monde que nous avons besoin pour diriger le pays d'Haïti. Un monde qui est sage, un monde qui veut réconciliation, parler avec le monde, dialoguer avec le monde, pas entrer dans la violence. Voilà en gros, ça me capable de personnalité, parcours, un monde qui sorti dans une situation plus pauvre, ou t'as capable qu'on ait gagné. Qui vit dans une situation plus ou moins confortable. Je suis capable de dire grâce à Dieu, grâce à des gens qui aident sous parcours, moi, et c'est ça m'entend fait tout moi-même, aider l'autre monde dans une situation difficile. Mm-hmm. Clarence, banoui de deux processus qui menait Clarence Renoir candidat aujourd'hui. Nous connaissons un exercice métier journalistique là où faute à tout le monde, où il y a une contradiction, où tout le monde parle, il y a un problème où vivre de près. Parce qu'un pile fois avant, il y a un micro, il n'y a pas la voix, il explique ensemble des situations qui ne pas même sauter dans le micro un pile fois. Mm-hmm. Est-ce que c'est sensibilisation par rapport à tout ce vive, rêve pas ou bien révolté par rapport à la situation pays ou ben nous idée de processus qui menait Clarence candidat au président, je veux dire. En réalité, son révolte, mais l'autre, on n'est pas capable de dire. Il y a des révoltes qui sont brutales, son jour qu'on se relève au casse, au brise et tout bagaille, mais il y a des jours où progressivement ou avancer vers des décisions que vous pouvez prendre. Pour moi, son révolte un petit peu lent. Donc, son décision qui prend avec le temps. Je fais 30 ans de métier journalistique. Si je dépends de ma vocation de politicien, je suis entré dans la politique plus bonheur. Donc, je suis dans la politique plus bonheur. Je suis passé dans d'autres postes politiques plus bonheur. Mais, je suis journaliste, je fais métier. Quand vous dites France, journaliste a mis Théo dans une situation où vous pouvez, vous tendez, pour constater les problèmes qui gagnent. Ou devant la population, ou devant les dirigeants, tout, ou est problème. Parfois, tout ou impatient pour les choses changer pour les gens. Parce que s'il change pour vous-même, dans certaines mesures, vous dites, mais pourquoi ça pour l'autre monde qui est mal, qui est pauvre, il va changer tout. Donc ça, il sensibilise quelque part. Et sensibilisation, ça va le mener vers ça, les révoltes, là. C'est pas capable de dire comme ça. Et donc, finalement, on va prendre une décision. Décision va prendre du jour au lendemain. Ce n'est pas une décision facile pour nous mettre quoi dans la politique, surtout dans le pays d'Haïti. L'on connaît, ça a toujours raconté de politique. Politique, c'est bagaille vagabond. Politique, c'est bagaille monde sale. Politique, c'est bagaille criminel. Ça, ouais, tout. Ça, ouais, tout dans la politique, là. Hein, expérience qu'on fait. Le fini, on connaît politique, là, toujours mener monde, soit à l'exil, au cas des cas, parce qu'on est entré dans la politique, au persécuté parce qu'on est entré dans la politique. Ce n'est pas une décision facile, je te l'avoue, je te le conseille. Mais nous sommes entrés dans un groupe de réflexion de jeunes garçons professionnels. Nous disons, nous, Haïti, bon pour nous, nous aimons Haïti. Nous n'avons pas envie de quitter le pays d'Haïti. Mais est-ce que nous avons été toujours là comme des professionnels uniquement, qui ont joué de pays, mais sans prendre des engagements dans le pays? Non, nous finissons par décider que nous prenons des engagements, mais des engagements publics, politiques. Et c'est ça que nous faisons en 2013. Nous commençons à faire des réunions dans Port-au-Prince, nous faisons des réunions au Canada avec des jeunes qui aujourd'hui vivent dans la diaspora, qui aux États-Unis, etc. Nous réunis, nous parler, nous discuter et enfin nous prenons des décisions. Monsieur Poussin devait dire Clarence, ou c'est mon monde plus qu'on est. Ou bien 30 ans, on va parler dans la radio, dans la télévision, on a un nom, on a une voix, on a un visage là, c'est eux qui parlent capitaine d'équipe là. Donc, mais même, je vous dis à la, mais n'importe ça, c'est pas une ambition personnelle que je vais gagner Clarence Renoir. On t'a dit, c'est une ambition d'un groupe, d'une génération qui dit, on nous engage dans le pays pour nous qui s'en capoter comme contribution à changement. Parce que je ne crois pas que nous avons changé le pays pour contre nous. Non, nous pas gagner prétention ça. Nous pensons qu'avec l'autre monde, nous avons mis ensemble pour nous changer. C'est peut-être ça. Le après décision finale là pour nous créer un parti politique, nous allons unir, c'est réunir de réunir nous ensemble, mais nous dit ça nous besoin. Nous besoin réunir d'autres valeurs ensemble, d'autres compétences ensemble, d'autres volontés ensemble, quel que soit côté au cas sorti, nous toutes ces petites têtes d'Haïti que nous y nous toutes. Mm-hmm. Pour une raison pour l'autre, un tel qui a dit le bras dans la valasse, l'autre l'a dit le bras dans la tête calée, l'autre l'a dit c'est du Valiris, l'autre l'a dit moi-même c'est petite ma coupe moyenne, moi pensais que nous tous nous capables de vivre ensemble. C'est peut-être ça, nous dit, nous besoin de deux valeurs fondamentales pour payer ça à changer. Nous besoin des gens qui intègrent, des gens qui honnêtes, des gens qui moral. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas le vivre là pour
les piller qu'est-ce que l'État a l'aller parce qu'il y a intégrité, il y a honnêteté. Le dit une parole, la Kembel. Le font promesse, il va Kembel, il va chercher à exécuter. Promesse pour ne pas entrer dans la corruption. Promesse pour ne pas violer droit monde, etc. Pour ne pas penser que c'est seul nous qui avons droit dans le pays, il y a le sous-pouvoir et l'autre monde va gagner. Ces promesses là, tout intégrité, l'État, comment nous elle, comment l'État nous capable de respecter l'argent public là, comment nous capable de travailler pour nous faire monde qui est mal, monde qui est dans la misère, monde qui est dans le ghetto, jeune, qui est désespéré, monde qui est dans la section communale, dans la section rurale. Donc, intégrité. Deuxièmement, nous dit réconciliation. Mais ce deal, pas aucune raison, je dis en 2016, pour Haïti, pas capable réunir toutes petites lieux ensemble. Du Valéris, Makout, Tête Kali, Lavalas, OPL, La Paix et tout l'autre pour nous dire, mais on chita ensemble pour nous diriger. Parce que en 2016, 21e siècle, pour pays nous en situation, ça a toujours, par rapport à respect dans les Caraïbes là, nous c'est pays qui plus pauvres. Par rapport à respect dans le continent américain, nous c'est pays qui plus pauvres. Et nous c'est un pays qui plus pauvres dans le monde. Moi, Clarence Renoir, ensemble avec les camarades qui sont unis, femmes ou garçons, nous disons pas qu'à accepter ça. Et si nous ne pouvons pas accepter, il faut nous engager nous, pour nous qui j'en ai changé le pays. Et au bras loué, dans l'engagement politique, ça, nous parler avec les jeunes surtout, parce que nous connaissons les jeunes qui l'espoir pays. C'est eux qui avaient pays. Mais regardez la réalité à Clarence par rapport à la valeur que nous mettons devant pour nous défendre, pour nous chita sur eux. Or, l'autre réalité sociopolitique là, cette réalité est tout autre. Absolument. N'est qu'à faire politique avec femme ici, c'est mettre dames, c'est mentir, c'est corruption, c'est coup de bas. Et généralement, c'est au privé. Ou sur le site, on ensemble de secteurs là, que t'as de Wichita, pour vous dire ça à faire à Haïti. Justement, c'est des autres, chaque comportement de sous-pouvoir qui mettait Haïti côté les Jodia. Donc, il y a nécessité pour ta prise de conscience Jodia, pour contribuer, pour relever Haïti. Est-ce que réalité ça, pas de faire clair, un souci, j'ai hésité pour dire, qu'est-ce qu'on a foué comme dans le bas, là, dans l'Italie, là, ou bien est-ce que m'a engagé, m'doute bon? Vous connaissez leur situation trop facile pour vous sentir là-dedans. C'est comme d'accord. Facile pour un candidat à la présidence, un pays comme les États-Unis, un pays comme la France, un pays comme le Canada. C'est vrai, il va gagner candidat à la présidence, c'est le premier ministre qui a son autre régime qui a bien, etc. Structure là, toute institution est en place, etc. Mais ces situations difficiles là pour changer. Donc moi-même, j'ai plus fierté pour montrer nos situations difficiles à Haïti, pour nous qui s'en capoter comme contribution. Si les anciennes nous ont dit ça, nous allons gagner indépendance. Nous avons dit, ah, la France est une grosse puissance, c'est une grosse arme, nous allons gagner là, mais nous, nous allons gagner avec lui. Non, c'est là que ça y est entré dans la bataille, volonté, détermination, et puis arriver dans l'objectif. C'est vrai que la situation politique du pays d'Haïti n'est pas facile. Situation économique n'est pas facile. Situation sociale d'exclusion qui est dans le pays, ça n'est pas facile. Mais c'est là, challenge là, c'est lui-même pour nous aller relever comme défi. Le nôtre qui nous a fait toute conscience, c'est pas facile. Et c'est peut-être ça, m'a répété chaque jour à tout le monde, que ce soit dans la radio, que ce soit dans la télévision, que la bagaille va changer du jour au lendemain. Il faut nous avoir courage pour nous parler la vérité avec le peuple là. La changer au fur et à mesure. Mais première priorité pour la bagaille commencer à changer dans le pays d'Haïti, nous avons j'ai foi pour nous faire. J'ai foi, c'est parler. En nous parler ensemble. Et m'a répété là, je ne pas comprendre comment deux messieurs qui dirigent la politique pays d'Haïti presque pendant 30 ans, yo tes amis, yo tes frères, Marassa et Bivine Mia. Aristide Préval. Ça, ça veut dire. Mais il faut qu'il y ait parlé ensemble. Il y a beaucoup de gens qui ont ça au gain et tout, non? Ça au gain, il faut qu'on ait. Pour qui ça, Aristide, en 1993, après le coup d'État, pas de basse de l'Aslan, mais pour dire, ok, moi, c'est mon père déjà. Et après, je vais pas faire la solution. Bon, bah, non, nous, laisse-moi faire le coup d'État, on retourne en travers ensemble dans le pays. Pays d'Haïti, c'est loin, je dis. Ouais. En 2004, au lieu de certains monde qui dit, ah non, on va négocier avec Aristide, voyez-la aller. Pour qui ça, pas de chita. Et mettons l'autre premier ministre, Aristide. Pays a crasé, nous allons gommer entre nous-mêmes. 2004, c'est 200 ans d'indépendance. En nous discuter. Nous besoin de monde qui a valeur ça. Nous-mêmes, Clarence Renoir. Nous-mêmes dans l'Union, nous avons valeur ça. Nous allons nous tendre, pour nous discuter avec nous. Nous comprenons ça surtout. Je dis, moi, je reconnais que les gens qui souffrent de l'autre monde dans le pays. Il y a des gens qui souffrent de Makout, de Duvalieris, des gens qui souffrent de Lavalas, des gens qui souffrent de Tête Calée. Nous souffrons de tout le monde dans le pays. Mais si nous regardons ça, nous ne pouvons pas réconcilier, nous ne pouvons pas parler. Chaque monde va parler contre tout le monde. Et maintenant, toujours parler avec nous avec un fusil, avec un caoutchouc, non. Il va bon. Nous passons l'heure à priver pour nous dire que ok, nous faisons un pile tort, nous faisons un pile mal, mais on garde des côtés, nous avons intérêt pays. Qui ça nous fait ensemble? Qui ça nous capable de faire ensemble? Ça nous capable de faire ensemble, selon nous-mêmes dans l'Union, c'est Haïti pour nous changer de situation. C'est pour ça que nous-mêmes nous parlons pour nous travailler avec tout le monde. Nous parler de réconciliation politique. France, c'est important pour me saisir ça. Parce qu'il y a un pile fois le monde qui pensait, le nom de réconciliation, on dit tout le monde c'est nous. C'est-à-dire, on a fait n'importe quel crime que le voulait finir, du coup, entrer, c'est réconciliation, il va faire un canon. Non.
de la justice. La justice intemporelle, il n'y a rien de temps pour faire payer la justice. L'offre fait un bagage qui mal, ou tuer le monde, ou exproprier le monde, ou voler l'argent de l'État, ou voler l'argent privé, ou bien pour juger. À tout moment, la justice a servi contre tout. À tout moment, la justice a frappé. Mais réconciliation politique, là, c'est l'autre bagage. Qui ça l'a porté comme valeur? La porté valeur vivre ensemble. Nous, quand on travaille ensemble, nous, pas qu'on a pouvoir politique, je dis assez moins pour pouvoir, le pouvoir, c'est pour moins lié, pour même pas la donner tout dehors. Ou bien on va le craser l'autre. On va le craser l'autre là-haut. Non, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Moi, toujours prendre exemple, tout côté passé, et offrir une occasion pour me prendre là, pour auditeurs et téléspectateurs signal. Je me dis, France, on a une carte du pays étranger. Nous, même copier, nous dit, ah, mais ça, tel pays fait. Mais là, il faut qu'on va prendre. Nous, on peut se copier, ça, négatif. Négatif. Maintenant, regardez aux États-Unis. Il avait Clinton avec Obama et deux ennemis au dé, oui. Dans l'élection 2008, il a fait compétition entre eux-mêmes. Mais là, Obama a fait rien, ça le fait. Il déplaçait personnellement. Là, je cherche Mme Clinton, il devait travailler avec moi en tant que. Il fait le secrétaire d'État des États-Unis pendant six ans. Au nom des intérêts du pays. Au nom des intérêts du pays. Et le mieux, il choisit un républicain. Il fait républicain comme ministre de la Défense des États-Unis pendant 4 à 5 ans. Au nom des intérêts des États-Unis. Qui est intérêt des États-Unis? C'est plus sécurité pour le pays à gagner. C'est plus richesse. C'est plus grandeur des États-Unis. C'est plus travail à créer pour le monde. Mais nous-mêmes, le pouvoir, c'est boumer avec l'autre monde, la battre avec l'autre monde, nous empêcher que l'autre monde soit capable de travailler ensemble avec nous-mêmes, côté avec nous. Moi-même, je pense que le pays d'Haïti est pour le tirer, il sort ça, pour le prévoir de l'amener au sol. Même il dit, ok, si nous ça travaille ensemble, moi-même tout. Regardez, je dis à ça qui a passé. C'est Obama qui a poussé pour faire l'élection. Madame Clinton, il m'a dit un autre bagage en plus qui est arrivé toujours dans le pays. Oui, après l'élection, on met tout compte avec Madame Clinton à vous, mais il avec toi. L'élection est finie. Sac perdu après les sacs gagnants pour le féliciter. Il va téléphoner pour dire félicitations, travail pour les États-Unis. C'est ça moi-même que je viens faire dans la politique. Je ne vais pas venir vous avec moi. Et c'est toujours dit, Monio, m'entrer dans la politique pour venir porter de nouvelles idées. Comme je dis, bonne façon moderne, nous sommes capables de faire politique. Bonne façon, nous sommes capables d'apprendre jeunes, nous, que les gens confient en tout même dans le quartier de la caillou. Il n'y a pas besoin de vous mettre. Il n'y a pas besoin de tirer les armes. Dans l'école, dans le lycée, il y a eu un problème. Il n'y a pas besoin de vous mettre. Il faut qu'on parle et dialoguer. C'est ça que je viens de dire. Alors, c'est vous-même, détermination avec tout le groupe. Mais première réaction, yo, Clarence candidat, c'est qui ça, les amis proches, ou condisciples, étudiants. Mes amis Clarence, me connais, qui ça là le four école là? Est-ce que n'a pas accompagné? Est-ce que n'a pas comprendre? Est-ce que n'a pas une nécessité pour une métavel ou une changer ça? Globalement, comment gérer ça? Puisque m'imaginez, ça y est comme réaction, non contexte comme ça. Et bien, une réaction facile. On commence par famille. Madame, moi, maman, petit, moi, qui dit, n'a qui ça me mette là? Je suis entré dans la politique. Pour comprendre qui. Souci, mon ça, on commence à fêter, tu peux, ouais, que, ou à l'en politique, t'as l'air, ou à persécuter, ou frère, mieux, dis-moi ça, ou même, t'as l'air, maman, dis-moi ça, que t'as l'air, là, t'as l'air, vu une case de la caillou, t'es caillou, et dit, ou fait, avec madame, ou, et puis, on y a pas le casier, parce qu'on est en politique. Zami, ok, les amis qui étaient déjà d'accord, parce que nous étions déjà solidement ancrés dans l'idée, nous, que faut que nous entrions engagés dans la politique. Regardez, mon était pensé que tu bien avec vous pour entrer dans la politique. Là, il fait Baxo. Il va voir le chemin, ça va avoir la vidéo. On va raconter sous lui encore, etc. Il y a des gens qui commencent à avoir de la bonne route. Il y a des gens qui découvrent, mais tu ne vas jamais voir encore. Il y a un petit problème. Ce n'est pas facile. Et il y a des gens même qui pensent au fou. Qui font les points, monsieur, là, pour la pensée pour la vie, diriger le pays d'Haïti. Pour qu'ils s'allument, pour ça va vivre vite, tranquille, etc. Maintenant, tout le bagage, ça y est, fait pour conforter ma conviction. Moi, je suis un monde de conviction que je suis convaincu que l'engagement de chaque citoyen haïtien est capable de changer le pays d'Haïti. Engagement dans le bon sens. Clarence, on n'a pas un monde qui vient là pour venir chercher richesse. Bon Dieu bénit, il y a un moyen pour vivre déjà. Moyen non suffisant. Maintenant, si je m'entraîne dans le combat pour moi, qui ça ne va pas changer? Qui ça ne va changer pour plus de monde dans le pays? Parce qu'il faut plus de monde capable de vivre bien dans le pays d'Haïti. Et si on continue à vivre dans une société, côté exclusion comme ça, côté c'est 1% de monde qui gagne toute richesse pays, mais 99%, pas rien à mener, et bien c'est une société où je suis capable de casser. C'est peut-être ça, nous unir et moi-même, Clarence, on nous dit non, pas d'accord pour mon abdi, faut tel groupe à envahir tel autre pour le prince à le gagner. Non. Pour nous sensibiliser pour nous qui gagnent, pour nous dire non, on nous crée un quoi pour nous qui va travailler. On nous fait des gestes de solidarité, pas charité.
on fait des gestes de solidarité avec des multinationales. Entraide. Pour nous faire changer le pays, ça. Et deuxièmement, nous parler avec les gens dans l'État, les gens dans la fonction publique. Nous disons, l'on dans l'État, au député, au sénateur, l'on dans l'État, au ministre, au secrétaire d'État, au directeur général, on parle pour jouir de l'État seulement. L'État, bon privilège, mais on l'a pour servir les gens qui sont pauvres, les gens qui ont des difficultés. C'est ça, sens l'État a gagné pour nous-mêmes. Non pas pour nous faire abus au monde, mais pour nous piller qu'est-ce que l'État, pour nous enrichir nous, pour nous m'attendre, nous débattre sur le combien de millions de dollars tel côté, pour nous faire mettre nous dans la richesse, nous, des peuples à nous profiter. Non, c'est pas ça, nous voulons nous-mêmes. Nous voulons l'autre Haïti, côté qui a moins d'exclusion, côté qui a moins de pauvreté, côté qui a l'école pour tout le monde, bonne école. Nous avons parlé de ça en détail, si vous voulez. Après, nous voulons l'autre société. Il faut que la société noire ne soit pas dernière dans le Caraïbe. Il faut que la société noire ne soit pas dernière dans l'Amérique. Il faut que la société noire ne soit pas dans dernière dans le monde. Mm-hmm. Donc, le pire défi pour nous relever, c'est ensemble pour nous relever. Un seul docteur, un seul président, pas qu'à résoudre le problème du pays d'Haïti, c'est ensemble pour nous faire. Très bien, nous allons arriver dans sa vie devant. Mais, pour bien plus qu'un an de pouvoir véhiculer les messages à Clarence, réaction aujourd'hui, alors, l'on évalue, c'est qui ça? Des mounes au départ, tu as commencé à suivre autant d'eau, qui gagne des réalités à continuer tendre ou est-ce que gen moun ki pa vle engager au départ qui vini, est-ce que gen plus compréhension, est-ce que gen plus enthousiasme par rapport à valeurs ça eux qu'on défend? On pense qu'il y a plus enthousiasme, il y a plus compréhension, il y a plus moun tout ka brûler nous qui dit nous envie nous joindre nous dans combat là parce que nous c'est bon combat ou, et bon combat la mener et nous expliquer c'est pas pour nous diviser moun, c'est pour nous réunir moun ensemble. Et France m'a félicité non moi bon ministre dans gouvernement qui je dis à les candidats parlent avec parti parle dans l'élection, mais les médias c'est avec vous les. On veut beaucoup de mains possibles, tout coup de mains possible pour avancer dans l'idée, ça parce que c'est ça bien. C'est la côté de l'idée. Donc, gagner un pile geste comme ça que nous avons enregistré, un pile volonté, il y a des gens qui ont progressé parce que j'ai rencontré avec moi, qui relève mon téléphone, qui joue un téléphone, qui dit nous voulons pour ton contribution à soi faire. C'est pas l'argent, mais contribution c'est dit à parler avec plus de monde. Et c'est ça mon besoin. Plus de monde, parler avec plus de monde, pour nous changer mentalité, pour nous changer comportement. Et surtout, nous voulons dire, on parle pour les politiciens nous le fait. Il faut suspendre d'utiliser misère, peuple là. Il faut faire abus de la politique. Vulnérabilité jeune, nous l'avons utilisé. Parce que quand je n'ai pas de l'argent pour manger, je viens offrir 500 gouttes, je offrir 500 dollars, 2500 gouttes, je dis à le graser, à le briser, à le tirer. Je n'ai obligé de faire parce que le besoin vivre. Yo, grand misère population, le traîner sur les distances. Ah, monsieur, mettez un peu de monde sur place. Saint-Pierre-Pétionville là, ma consorti juste mis à Guane, ma consorti juste mis en balai, Vinci, ma paye 250 gouttes, venez réunir là, une batte de la roue, tout maillot sous, et finir ma pénombre tournée. Ça va pas bon. Très bien. Alors, c'est des situations extrêmement difficiles. Nous prenons le principe aux dames et téléspectateurs. L'un tournée n'a pas entré sous terrain, campagne électorale Clarence Renoir. Comment ça marche pour lui? Réaction, yo, qui ça y est? Environnement électoral, la jeune d'Abdil, là, comment l'OL, sous plan sécuritaire, implication de plus en plus communauté internationale, là, dans la vie sociopolitique, nous. On n'a pas entré sous terrain électoral, la Clarence. Dis-nous, non, campagne électorale, ou à qui j'en a marché, feedback, yo, ça y est, qui département on fait jusqu'à présent, comment on sentit, ou, et dans coup cela par rapport à message, ou à véhiculer, soit à défendre comme valeur, dans le cadre d'activité électorale, aujourd'hui. Réalité campagne, non, difficile, comme tout ça. Parce que, en campagne électorale, l'imando pour lever bonheur, et ou à marcher en pile. Je me dis ça, m'a parlé de en thème de temps ou gagner pour faire une campagne électorale. Les campagnes électorales, en réalité, il n'est pas fait seulement pendant la campagne électorale que CEP a déclaré, il est là plus en avant. Et nous, nos campagnes électorales qui ont duré plus qu'un an déjà, si vous voulez. Hein? Et sont une campagne électorale qui a commencé depuis 2015. Hein? Et c'est ça, on a continué là, tout le jour et jour là. Maintenant, dans la réalité, pas nous, moi-même, Clarence Renoir, c'est que il est encore plus difficile. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas gagné gros moyens économiques et gros moyens financiers pour la course électorale. Là. Cependant, nous avons volonté, nous avons détermination, nous avons conviction, et c'est avec qui nous avons marché. Et engagement que nous prenons, avec toute notre camarade qui est venu, nous avons continué à prendre, et nous avons fait terrain. Et au fur et à mesure, on a cherché à adapter nous à la réalité. Nous. La réalité, nous, c'est que nous, en campagne électorale, nous-mêmes, on était déjà sur antenne, quand mon confrère, on a fait recyclage. On n'a pas de deal. C'est photo de l'année dernière que je n'ai pas utilisé, je m'a utilisé aujourd'hui. Là. Parce que nous n'avons pas de moyens pour nous faire d'autres. Ça ne veut pas dire pour autant que nous n'avons pas droit à la course électorale. Au contraire, c'est le monde qui a la population besoin de la course électorale. Le monde qui va prendre le point de monde qui va prendre le prêter l'argent dans mes commerçants, dans mes investisseurs, pour la élection, pour la remettre, pour la paquette, pour le monopole, pour payer, pas
dirigé bien, mais c'est moun qui débaille l'argent ou qui a joué l'argent. Donc nous-mêmes nous disons, on fait une campagne électorale de proximité. Nous pas qu'à réunir moun sous place publique parce que nous voyons qu'on a condition de réunir. Le tenté fait ça, il explique que nous faut mettre en pile comme d'ailleurs pour réunir moun, faut mettre bus à la beauté moun, nous-mêmes nous pas qu'à moyen ça, nous disons. On nous fait une campagne de proximité. Et bien, on aller vers les gens, on aller dans le quartier, on aller rencontrer. Nous avons des jeunes qui ont organisé des rencontres pour nous dans le quartier, la caille. Ils ont réuni 50, 70, 100, 20, 30 personnes, on va parler avec eux. Feedback là, ça lié, oh, est très positif. Il est très positif. France, bon réalité tout. Les gens qui sortent dans la rue, ils ont une nécessité, ils ont sorti, moi d'accord avec eux. Les gens qui ont sorti, il y a pour 250 gouttes, il a utilisé, il a utilisé, il a pour 1000 gouttes, il a utilisé, mais il y a que lui, que l'autre côté. Mais des isoloirs, la libre pour faire choix. La libre pour faire choix. Il m'espère, m'a prié, la travail pour ça, pour que c'est avec Unir, avec la reine, ce que nous avons numéro 68. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes, nous disons, bon, l'argent, je dis, là, c'est permission, bon, moi, pour mal faire corruption dans l'État demain, pour mal tirer l'argent. Je bague l'argent, il faut mal prêter. Il faut mal gagner un cottage, gagner 20 machines là-dedans. Côté m'a fait machine là, si c'était 20 machines, pas m'aider, d'accord. Mais faut me jouer 20 machines, faut me louer, faut me prêter, faut m'acheter au crédit, faut mettre le cortège, faut me faire intéressant, faut me gagner un avion qui a volé, faut me gagner un hélicoptère. Plus dépenses ou fait, plus l'État va gagner, plus la population va capable vivre bien. Donc nous-mêmes nous disons, on fait une campagne de mesure de la population haïtienne, une campagne de pauvres, de monde, idée qui va gagner l'argent. D'ailleurs, c'est idée qui mène le monde. C'est avec les idées qu'on nous dit, on passe l'idée noyau. Nous avons avancé. Nous avons de plus en plus adhéré à lui-même. Donc nous faisons des campagnes. Nous faisons des campagnes de proximité. Parce qu'il faut nous dénoncer tout l'argent qui a porté dans l'élection. C'est parfois l'argent blanchiment, l'argent sale, l'argent pour tout le monde qui a entré dans l'élection. Entendez, Jean-Baptiste Aristide a parlé de l'argent sale dans la campagne électorale. On est bien content d'entendre que c'est les quatre parlé de ça. Il y a l'autre monde qui a parlé de ça tout, parce que l'argent sale, ça a fait un pile dégâts dans le pays, ça, dans l'élection, si nous quittons ces sacs dirigés. Et là, moi, je ne peux pas comprendre que CEPA, qui est responsable pour le connaître, qui l'argent a dépensé, pas dire qu'il y a. Dans le décret électoral, dans l'article 134-135, il dit qui gens pour nous financer l'élection. Pour nous ne pouvons pas plus que 8 000 $, non, par exemple, américains. Le Paris doit dépenser comme candidat à la présidence plus que 1,6 million de dollars, non? Mais ça n'a pas gardé dans la rue à la guerre, qui dépense des cinquantaines de milliers de dollars. Qui est-ce qui va payer les conséquences là après, monde qui vit pauvre? Qui est-ce qui va gagner plus après, pas tirer bénéfice? Monde qui débaille l'argent, yo. Monde qui débaille 20 000, 30 millions, 3 millions, etc. Yo. Ça, yo, c'est eux qui va endommager le pays après. Donc nous-mêmes nous disons, nous c'est des jeunes, nous avons des volontés pour payer nous avons détermination et conviction, mais nous avons avec les moyens que nous gagnons. Mon cher, moi, je prends maillot, je me dégagne l'année dernière. Moi, je prends photo, je me dégagne l'année dernière. Moi, je prends 4, je me dégagne l'année dernière. Mais redistribuer encore. Les amis qui disent, mon cher, ma foi cadeau 5 000, 4, ma foi cadeau 10 000 photos. Merci beaucoup. Mais c'est eux-mêmes nous entrer dans la campagne électorale. Là. Et nous déjà dit, jeunes, nous allons nous rencontrer avec eux. Nous-mêmes, nous avons deux bagages, nous n'avons pas gagné l'élection pour nous. Nous n'avons pas gagné les âmes, nous n'avons pas gagné l'argent. Ce n'est pas culture pas nous, ce n'est pas formation pas nous, ce n'est pas philosophie pas nous, ce n'est pas vision non, d'Haïti. Pour jeunes, nous avons une vision. Nous disons, jeunes, il faut aller à l'école, il faut gagner bon l'école, il faut aller à l'école professionnelle, pour avoir un métier dans le monde, pour qu'on travaille, pour continuer, pour vivre de métier. Yo. Il n'y a pas besoin de temps nous l'État qui a vu une baille au COP, il n'y a pas besoin de temps nous candidats, chaque 5 ans, il y a une élection qui a vu une faire. Fait pareil qui puis les dirigeants qui puissent la poubelle anti-monnaie mais est capable de vivre de métier. Nous dit faut que jeunes suspendent partie qui était pays d'Haïti. Je vous dis à l'ambre des jeunes qui a bousculé devant consulat Suriname, Brésil, Pérou, Chili, pour diable prendre tout côté au bralé. L'idée c'est quitter Haïti. Quitter Haïti. Je dis pas grand rien à faire là. Je dis élection dans Jean-Louis Bralé à la cap pas grand rien changer. Alors moi je voulais dire aux jeunes ça que gain espoir toujours pour le pays. Espoir c'est un engagement que nous-mêmes dans l'Union nous prend, jeunes femmes, jeunes garçons. Espoir c'est un engagement que nous prenons pour nous changer conditions de vie. Changer conditions de vie, c'est mettre dans l'État tout. Faire stage pour le travail. Bah, opportunité pour créer un petit business pour vivre dans le pays. Nous connaissons connaissances que vous gagnez, formation que vous gagnez. Parfois c'est des jeunes universitaires qui ont quitté le pays après aller comme ça. Dans mauvaises conditions ça. Mais qui s'est parlé dans le pays d'Haïti demain si c'est comme ça qu'on a quitté l'allée. Il n'est pas bon. Nous avons des pays qui l'ouvrent porte tout. C'est eux. Parce que vous avez besoin au Canada. C'est eux même. Voilà. Justement, c'est des professionnels, des universitaires qui ont besoin. Eh bien, nous-mêmes nous quittons aller. Nous n'avons pas besoin. Yo. Les jeunes ont fait une forme et l'autre bord, ils disent à quoi bon me retourner là, il n'y a pas bon place dans l'État. Nous voulons dire, gain espoir pour eux avec unir. Mais espoir va vraiment bougeonner lorsque nous
vivre dans un pays côté gain stabilité politique. Parce que c'est stabilité qui conditionne pour créer un emploi pour jeunes. Parce que c'est stabilité qui permet que jeunes nous former et vivre de propres moyens. Stabilité politique, moi je l'ai dit, elle est capable de sortir seulement lorsque la classe politique l'a entendu. Moi-même, je parie de faire ça. Nous, elle, déjà, il y a plusieurs preuves déjà que c'est ça que je voulais faire. L'autre jour, encore, écrit six anciens présidents. Aristide, Préval, Martelly, Boniface Alexandre, Prosper Avril, Madame Trouillot, Mécrio, avec Union, nous disons, pour que ça ne va faire une réunion, pour nous former un groupe de réflexion permanente sur Haïti. Là, bon, pour ancien chef d'État, nous avons des conseils. Même si vous avez fait mauvais bagaille. Mais vous connaissez ça bon tout. Vous avez répondu? Gen ki répond, gen ki pa répond. Même espérer que vous répond, même patient, même pensez que vous avez nécessité pour vous faire là. Même si entre vous même, il y a des contentieux. Il y a des gens qui font mal, il y a des gens qui font abus entre vous même. Mais il faut oublier. Mais il y a des gens qui ont été attroués, qui pas bien après. Préval, Avril, Armée, etc. Il n'y a pas de faire réconcilier. Le grand pile contentieux, pas pour vider. Mais il y a des faire vidéo. Est-ce que chaque carité là, il y a seulement pour être vivant, pas faire rien, ou bien il y a des partisans, ou plus parler pour bataille que pour parler? Non, nous pensons que nécessité a. C'est mettre les gens au chita ensemble. Faire tourner des conseillers pour le pays. Vous connaissez ça qui est intéressant dans l'exemple. C'est que les partisans ne connaissent pas besoin de gommer encore. C'est que le chef nous a parlé avec eux. Le message serait fort. Pas de nécessité pour nous gommer. Et c'est le son que nous besoin pour le pays. C'est ça. On faut garder l'environnement électoral, la Clarence. Est-ce que sur le plan sécuritaire, ou pas d'inquiétude? Maintenant, sur le plan organisationnel par rapport à la disposition CEPA prend, est-ce que vous sentez-vous confortable pour l'élection? Parce que nous tenons pays à 9 août, nous avons été passé. 25 octobre, dégâts amélioration. Dans les toutes dénonciations qui sont venues après, dans le processus 2016, là, globalement, comme un candidat à Santini. Chaque fois l'élection gâtée dans le pays d'Haïti, c'est candidat ou gâté. Nous voulons nous ça. C'est candidat ou gâté l'élection. Hein. C'est soit vous avez besoin de pouvoir à tous les prix, donc vous mettez les âmes dans le monde, vous mettez l'argent de pour faire des autres, puis vous gâtez. Vous gâtez l'ombre au côté où l'autre monde a gagné, parce que c'est pour gagner seulement, c'est avec eux pour nous parler. C'est eux-mêmes qui nous disent non, pas fait bagarre ça encore. C'est eux qui ont fait pour sanctionner eux. Ils ont fait l'État fait pour sanctionner eux. Ils ne sont pas d'accord avec l'idée qu'ils disent pour un candidat ou une immunité. Donc vous faites n'importe des autres dans l'arrière, ils ne peuvent pas arrêter. Non. Un candidat sont monde sérieux doué. Il doit un modèle pour le pays. Il doit véhiculer des valeurs pour le pays. C'est responsabilité, leader politique nous, parti politique nous, candidat nous, pour faire que l'élection passe bien. C'est souhait nous s'en unir. Unir son parti politique qui n'est pas là pour créer des zones. Il est là pour organiser, aider organiser, aider bagaille ranger, et toujours parler pour discuter, pour dialoguer avec tout le monde. Environnement pas facile. Nous avons des armes qui sont entrées illégales dans le pays. Nous connaissons déjà dans le pays, il y a 250 000 armes à feu illégales qui ont circulé dans le pays d'Haïti, qui ont fait malheur. Que l'État n'a pas contrôlé. L'État n'a pas contrôlé. Donc, ça, le plus souvent, ils servent avec une période électorale, puis ils font des zones pour les gens qui gagnent l'élection, pour empêcher l'autre de gagner l'élection. Donc, ça, nous-mêmes, nous dénonçons. Nous dénonçons force l'argent, tout, nous sommes dit là, déjà tout à l'heure. Donc, situation pas facile. Cependant, nous faisons confiance à conseil électoral. Nous disons que c'est responsabilité devant l'histoire pour faire une bonne élection. Pour ne pas entrer dans aucune magouille avec candidat pour dire candidat, ça va le faire gagner, on ne va pas quitter ça à passer. Non. Ou bien encore le pouvoir central, le pouvoir exécutif. Pour dire, ah, mon cher, moi-même, comme c'était le côté lié, donc on va le favoriser un tel. On va créer plus de zones dans le pays. Et enfin, moi, je m'adresse, quand on me dit déjà, à candidat, qu'on nous accepte, si nous perdons, nous perdons. Si nous gagnons, ça va pas facile, non? Le nom de l'habitude, candidat, ici, faut changer. Jamais accepter que vous perdons, non? Et bon, quand ça pour la population, en fait, le monde, ça ne faut pas choisir, on va le diriger. C'est le monde qui, tant que moi-même, Clarence Quenois, qui a prêché la tolérance, la non-violence, la réconciliation. C'est le monde qui mérite de diriger le pays d'Haïti. D'autant que, faut que nous veillions bien, le monde qui a venu diriger nous, qui ça a été fait déjà dans le passé. Nous ne pas tourner derrière encore dans le pays. Pendant 30 ans que ce passé, là, qui est-ce qui est responsable de l'état de dégradation du pays? Il faut bien garder pour nous. Le monde, ça, quand il y a dit, c'est carné pour nous. On nous dit non, on n'est pas admis dans l'école. Ça. Le monde nous a besoin qui est admis dans l'école élection, c'est le monde qui a une volonté pour nous dire, quel que soit Jean-Bagay là, il faut que nous travaillions ensemble. Et c'est ça, je pense. Donc, environnement pas facile. L'autre jour, nous-mêmes, nous subissons agression, nous subissons menace. Mais nous pensons que ça fait partie du travail là. Cependant, nous parlons avec jeunes, ça, nous lançons appel à eux-mêmes. Si vous ne quittez pas monde qui a fait des choses qui pas bon. Même quand même, moi, je suis un monde qui vient d'aller pour eux davantage que contre eux-mêmes. Et l'homme va utiliser eux parce que je n'ai pas de moyens pour me faire tout, ce n'est pas volonté, ce n'est pas culture, ce n'est pas vision pour Haïti. L'homme dit que je ne vais pas l'âge parce que je n'ai pas rien. Je ne vais pas aux âmes parce que je ne vais pas lever les bagages pour ça. Il faut que vous soyez bien au mieux. Parce que tôt ou tard, mon cap va aux âmes, l'âge pour faire les bagages dans la rue. Mon ça arrive, la calé est bien en sécurité. Ou même on va arriver, on côté, on bouille, on balle.
la police arrête ou dans la prison. Donc, pas suivre mon saïo. Suivre mon qui dit c'est formation que l'on a pour. C'est l'école qui est pour petit. Parce que au même jeune, qui a une difficulté aujourd'hui, il faut dire tout et petit moi demain. Est-ce que l'obligé de suivre le même chemin avec moi? Non. Il faut ou tracer route pour lui, pour sortir côté l'IA. Et moi-même, c'est ça, m'initier. Fait. Donc, l'environnement pas facile. Et moi, il y a une situation. Pourquoi les friends? Pour faire l'élection, il faut gagner quoi? Oui. Ah, pas gagner sortir de là. Ou qu'il n'y a pas besoin de millions, ou besoin de quelques bons paniers de dollars américains pour acheter ceci, pour faire maillot, pour faire poster, pour passer réclame dans la télévision, pour déplacer. Et c'est au besoin. Mon cher Malman, on a une pomme d'affaires, pas rencontrer une qui sont capables de faire pour aider. Monsieur Tim Clarence, ou sans doute c'est le monde qui plus mérité pour le président pays d'Haïti là, dans le profil, dans la formation, dans le parcours, ou son exil sérieux, ou parler bien, ou toujours parler pour gagner la paix et la réconciliation. Mais pourquoi on n'est pas pédé où? Je dis, monsieur, pour qui ça? Je dis, parce que vous ne faites pas peur. Je dis, monsieur, ah bon? Je dis, oui, c'est le monde, c'est le candidat qui est capable de faire mon peur yo, que vous financez. Je dis, monsieur, sortez-moi là, vous dites, vous ne faites pas faire. Je dis, monsieur, pas faire, non, moi-même. Effectivement, il est difficile pour jouer un corps dans le même monde qui gagne l'argent dans le pays. Il préfère qu'on ait un discours de violence. Il préfère qu'on ait un discours d'exclusion. C'est ça, il a besoin financier. Moi, Clarence Benoît, l'argent va faire changer. Vous ne pas rentrer là. Bon acteur, bon acteur et Clarence qui sont acteurs majeurs, n'obligez pas le délit, c'est l'international, parce que quand même, depuis un pile temps, nous avons implication sur le pays d'Haïti, parce que songez, il était occupé Haïti en 1934 et en 1915, qui finit en 1934. Songez, il était retourné là encore. Sous période coup d'État, après, il vient rétablir Jean-Bertrand Aristide. Il a finalé, il a retourné encore en 2004, il chercher les tout quitter noirs au ministère, qui l'a jusqu'à Kounia. Et dans le cadre d'organisation élection, nous, généralement, qui implication. Bon, fois, ça n'a pas gagné trop de financement, mais quand même, il y a là, il y a observé, il y a regardé, c'est sûr que il n'y a pas arrêté de croiser. Comment ou même candidat senti ou, dans un contexte comme ça, côté que le pays a occupé, peut-être tout le monde oublie ça, puisque personne ne va risque de parler de ça. Acteur majeur, ça, comment on voit implication là avec. Nous, je veux dire, à beaucoup de tout temps. Ce sont acteurs que nous avons besoin. On commence à dire comme ça. Ce sont acteurs que nous avons besoin. Et quand nous avons besoin, nous avons besoin de boutique. Nous avons besoin. Boutique n'a pas pour vous, nous avons besoin à l'acheter un bagage à l'acheter. Nous avons même besoin aujourd'hui de prêter un bagage. Parce que nous ne pas bon. Mais nous avons besoin d'entrer dans la chambre de la carotte et de contrôler ce qu'on fait avec madame. Nous avons besoin d'acteurs. C'est des voisins que vous voyez. Les États-Unis, c'est voisins. Le Canada, c'est voisins. La République dominicaine, c'est encore la caille, dans la cour la caille. La France, c'est ancien pays. Nous avons besoin d'une façon ou d'une autre. Nous avons besoin de technologie pour gagner la caille. Nous avons besoin d'une université pour nous voir les jeunes, nous former pour retourner dans le pays. Nous avons besoin. Cependant, nous avons besoin d'entrer dans la caille. La plupart du temps, c'est fort nous qui fait mettre les pieds sous nous. Parce que nous avons évité de venir. Pas besoin de rappeler l'exemple. En 1993, qui s'est fait américain le 19 septembre 1994, il était envahi le pays d'Haïti. C'est parce que le président même demandé pour le venir. C'est parce que nous-mêmes avons négocié pour nous entendre nous faire que le venir vraiment. Ouais. En 2004, c'est même pas qu'il y a toujours eu. Mm-hmm. Nous disons pas négocier avec Aristide, nous besoin faut l'aller, nous devons faire blanc pour le pays. Là. Et puis blanc venir, oui, nous bat le pays. Là. Depuis 2004, je vous dis, nous avons 12, 13 ans depuis que le ministère dans le pays nous. Pour faire cadeau pays à l'étranger. Non, moi pensez si nous avons courage pour nous accepter vivre avec différence, nous, parfois avec divergence, nous, avec des accords que nous avons gagnés, mais blanc pas venir. Moi-même blanc, je suis dehors. Je n'ai pas besoin. Je vais faire élection, je vais demander un blanc. Oui, mais blanc bail financement, blanc bail conseil, il bail formation, Clarence besoin ça. Yo. Besoin de formation, madame. Besoin de conseil, madame, tout, pourquoi pas. Mm-hmm. Je n'ai pas besoin de blanc, dis-moi ça pour me faire. Nous sommes haïtiens, nous sommes pays, nous sommes réalité pays. Et vous n'avez pas besoin qu'on opinion blanc avant ou même ou en position parce que les négis sont sensibles pour ça. Ouais, mais non, nous ne pas marcher. Là. Même les négis sont là bon pour le pays. Si vous n'êtes pas sûr international, là, vous n'avez pas de position, non yeah, c'est vrai. Même donc là, il ne va pas là. Il faut nous changer ça dans le pays. Il faut nous dire qu'il y a plus dignité, plus honneur et plus courage comme devant blanc. Pour dire, non, mon frère, il faut que nous gagnions courage ça. Et moi-même, Mabdou, moi reconnaître que blanc est important. Qui pays dans le monde? Français voyez jeunes Français à l'étudier aux États-Unis. Américains voyez Américains, jeunes Américains à l'étudier en France ou bien en Chine. Oui. Mm-hmm. Alors nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de prendre le voyage de monde. Nous avons 4 millions haïtiens qui vivent à l'étranger, nous avons 3 millions aux États-Unis. Nous avons besoin des États-Unis. Mais nous n'avons pas besoin de contrôler tout le bagage pour nous. Nous n'avons pas besoin de CUSAID pour faire l'école pour nous, c'est pour faire prison pour nous mettre mon nom. C'est pour faire la police de machine. Il y a un petit bout de tout, comme moi, c'est Fatrak, Maté, USAID. Pourquoi ça pour nous faire? C'est pour nous gérer l'État nous bien. Pour nous suspendre. C'est-à-dire, l'homme président, moi-même, m'a dit, m'a coupé le budget
pouvoir exécutif là. On pas besoin de 20 machines DM pour circuler dans la rue avec motocyclette. On pas besoin de gagner 24 ministres, 12 secrétaires d'État pour dépenser l'argent. Chaque ministre a 4 machines, 3 machines DM. Dans pile l'autre candidat dit ça déjà avec la France, là il est arrivé, bah là tellement bon, tu viens oublier Paul ça. Oui? France, on a un mot songé sur notre parler avec la France que nous avons là. On pas l'autre candidat, on pas moun ça. Moi, oui, je critique comme journaliste, je pas faire même bagarre avec toi encore. Nous avons besoin que dans le Parlement, que les parlementaires, sénateurs, députés connaissent que c'est des serviteurs que vous voyez. Il faut que vous coupez nos privilèges que vous gagnez. Pour nous, l'argent, ça nous capte les populations haïtiennes. Vous pensez 500 000 gouttes, monsieur, d'avoir mangé poisson, les packs, là, le trop. Oui, trop. Mais France, le parlementaire, l'État, le COP, 20 000 dollars chaque pour acheter une machine neuve. Vous avez une résidence secondaire. Il y a payé caillou pour. Non, mes amis, qui paye nous là pour faire ça? On nous dit l'affaire dans 100 ans, dans 50 ans, le pays a commencé à marcher mieux. Mais je dis à là, il y a des sacrifices pour nous faire. Moi-même, moi, l'État, avec fonctionnaires d'État, avec élus, comme des mamans et des papas, qui parfois font un pire sacrifice pour vous étirer de l'école, que Dieu même bâtiment à l'école. Mais ça nous besoin que parlementaires, sénateurs, députés, présidents, ministres pour le pays. Puis vous coupez dans le privilège de mais puis vous offrez au mieux cette à la population haïtienne. Oh, t'es plus privilège, moi, chercher. C'est plus privilège, j'ai cherché. Nous besoin que vous comportez comme une maman petit Dieu. Qui leur fait manger la caillou, vous prenez plus petit, et bien petit monde, non, plus. Parce que vous n'êtes pas souffert pour vous-même. C'est ça que nous avons fait. Nous avons un modèle de dirigeance à pour nous, l'État qui est différent. Nous besoin de gagner comme dans le pays. Connaît que vous pas continuer à cacher des machines blindées ou bien lutter dans tête monde bien avec 4x4, mais vous avez plus de gestes à la population pour améliorer la situation, pour créer conditions pour nous vivre ensemble entre frères avec ceux. Pour nous garder l'instant là. Faut que nous riches un jour qui a sorti, nous disons l'instant de 14. Nous l'assistons de côté. Mais je vous dis, elle n'est pas capable de faire. Parce que nous sommes le cinéma de baguette. Nous sommes le cinéma dans le pays d'Haïti. Pour qui ça? Parce que nous faisons une exclusion. Michel Soulan, mais nous sommes sérieux. Nous avons besoin de Haïti. Côté haïtien ou français, c'est important. Côté haïtien. Haïti par un route pour le côté à passer. Mais Haïti sont caille côté au rété. Leur rété, nos cailles, on vit faire belle. Même si on a des mots étrangers pour passer là-dedans, mais on chez toi, nous, il y a passé au suivi. On met ton petit bouquet fleur, coquille, bon entourage là. La caille, on fait le belle. On met ton nappe sous le tabou, un chicaban nous. C'est ça, pays d'Haïti, doit payer pour nous. Pas un côté n'a pas. C'est ça, pays d'Haïti, doit payer pour nous. Pas un côté n'a pas. C'est pour moi, gagner l'élection, qui ça, nous va le faire. Nous disons déjà. C'est ça ce qu'on dit déjà. Vous mettez le goût là. On va commencer par faire la réconciliation pour créer stabilité dans le pays. On va commencer à faire réinvestissement dans le tourisme pour qu'on aller plus tourisme dans le pays d'Haïti. Moi je dis ça. La République dominicaine chaque année reçoit 5 millions de touristes. 5 millions. Il fait le rapporter 6 milliards de dollars par année. Nous même 200 000 touristes qui viennent par année. Ou bien des missionnaires américains, étrangers qui viennent dans la population anti-comprimée, qui viennent venir consulter. Nous avons besoin de ça. Nous besoin qui pouvait dépenser l'argent, donc il faut faire la paix, stabilité. Moi, besoin d'investir dans les jeunes, pour aller à l'école, pour aller former, pour nous garder dans le ghetto. Mon bon programme, moi, je dis que le ghetto a un talent. Il faut un programme pour ça, faut faire pour montrer les jeunes, pour faire peinture, pour faire musique, pour faire art, pour faire sport. Nous n'avons pas quelques huit puissants de bol, oui, dans le pays, nous avons bien regardé, mais il n'y a pas encadré. Donc, c'est ça, nous besoin de faire. Maintenant, je vais aller aussi, je ne vais pas qui ça ne pas fait. Parce que moi, toujours respecté les peuples haïtiens pour me dire s'il va voter, je ne vais pas gagner. S'il va voter, je ne vais pas gagner, je ne vais pas faire des autres. C'est votre expérience, vous continuez. Yes. Je ne vais pas faire des autres surtout. Parce que faut nous dire, l'homme dit ça, faut nous dire, et l'autre, est-ce qu'il va faire des autres lui-même? Moi-même, je ne vais pas faire des autres. Je vais continuer à commencer pour 5 ans encore. Je vais retravailler encore. Je vais réinvestir mon côté jeune toujours dans l'école, dans faire formation, dans le social, pour moi qui ça me faire, pour vendre l'idée dans davantage et pour dans 5 ans. Nous unir, tout le monde, ouais, c'est nous-mêmes qui avons raison dans ce pays, c'est réconciliation, intégrité pour faire la République qui vous l'a donné et pour nous capables de commencer à sortir dans une situation difficile. Voilà, merci un peu, les amis téléspectateurs, qui ont consacré tant ça avec nous matin sur Antenne Signal, l'espace invité. Clarence Renoir, candidat unir, qui t'a partagé moment avec nous. En pile l'idée, en pile valeur, en pile détermination, en pile volonté, beaucoup de Clarence, surtout message la paix, réconciliation, mettre ensemble, monde sauver Haïti. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci un peu, Clarence, d'être accepté et bonne invitation au matin.